Bonjour à tous, me voilà dans une nouvelle vidéo. Donc je suis très contente parce que j'ai retrouvé mon chargeur de caméscope numérique. Donc là je suis désolée si c'est un peu bancal parce que j'ai pas de trépied encore. Je viens juste de recevoir la Birchbox, c'est une nouvelle box que j'ai prise. Et bientôt je vais recevoir la Glossybox. Donc là je vais ouvrir le paquet de la Birchbox et on va découvrir ensemble le contenu. Et je referai une nouvelle vidéo pour la Glossybox. Alors, c'est la première fois que je la reçois. Donc elle est toute petite. C'est une petite boîte comme ça. Et il y a... C'est comme des sortes de fleurs dessus sur la boîte. C'est marqué Princesse Tam Tam, Paris, déshabille, Birchbox. C'est sans dessus, dessous. Du coup, il y a marqué quoi? Beauty Protector, 118 ml, 19 €. Protect et Wild. Non, une huile ne rend pas les cheveux gras. Utilisée avec parcimonie sur les pointes et les longueurs, elle fait briller et hydrate le plus. L'odeur de barbe à papa, complètement addictive, votre sillage ne laisse pas passer insensible. A noter, la version full size est en spray. Pratique. Alors, je vais la chercher. Voilà, c'est ça. Donc, hop. Je sais pas si vous voyez bien. Donc, moi, j'ai combien de millilitres là-dedans? Je pense pas. Bah non, j'ai pas les 118 millilitres, là, c'est sûr. Mais, il ne marque pas la quantité. Donc, je ne sais pas. Après, c'est un lancement Birchbox, c'est marqué en rouge. C'est Aiko, 2 grammes, 11 €. Donc c'est la pointe de la pointe pour un œil de biche, pas adepte de l'œil façon Bardo. On vous montre 10 façons de l'utiliser, magique pour agrandir le regard. Ou donner l'illusion de cils plus fournis sur Birchbox.blog. La mode d'emploi, voilà. J'ai un petit mode d'emploi de l'eyeliner. Là, je comprends pas. Là, je crois que vous le voyez à l'envers. C'est bizarre. Donc là, il y a tout un petit récapitulatif. C'est en forme, les petits trucs, mine de rien. Plein de petits conseils. Et le crayon, il est là. Je crois que je referai une nouvelle vidéo, parce que je crois que vous voyez tout à l'envers. Donc, Ah, et la pointe, elle est géniale. Ça fait vraiment tout fin. Voilà. Donc ça, ça coûte 11 €. Après, il y a un lait concentré. J'arrête pas de l'avoir, celui-là. Franchement, la Glossybox, ils me l'ont envoyé deux fois. Là, hop, je l'ai encore. C'est l'Embryolis. C'est un lait crème concentré. C'est un produit qui vous trouvez dans le Vanity de 99,9 démaquilleurs. Crème hydratante, base de maquillage, démaquillant, soin après rasage, masque réparateur ou même lait de toilette pour les plus petits. C'est le tube magique qui sert à tout. Voilà. Et hop, je sors de cette petite boîte pour vous montrer. Et voilà, c'est comme ça. Donc ça, c'est marqué, c'est 5 ml. Qu'il y a... Après, qu'est-ce qu'il y a? Moraz, un crème pour les mains. Envie qu'il vous glisse la bague au doigt? Commencez par prendre soin de vos mains. Ne soyez pas effrayés par la teinte beige de cette crème pour les mains. C'est normal, à base de polygonum, c'est une plante asiatique, elle pénètre instantanément, apaise et répare. Voilà, la crème, hop, elle se présente comme ça. J'ouvre, c'est cool, c'est pas ouvert. Bon, bah, c'est un peu normal, hein, heureusement. Je vais l'essayer aujourd'hui, je pense, parce que du coup, j'ai un petit peu les mains sèches. Je vais l'essayer maintenant, hein, tant qu'à faire. Je vais, hop... Peut-être défaire le pack.
Parce que je cherche une bonne crème pour les mains. Et j'y arrive pas. Donc je vais voir si celle-là elle est bien. Bon, je suis désolée, c'est un petit peu long. Voilà. Hop. Vous pouvez voir. Ouais, elle est légèrement marron, mais c'est pas grave, hein. Après ça va bien s'étaler. Donc moi je l'applique comme ça. Il y en a partout sur le dos de la main, parce que c'est essentiellement là que c'est sec. Ah, l'odeur, elle est très agréable. Hein. Et je sens, mais ah, déjà ma peau, elle est toute douce. Bon, après, il faut que ça reste. Hein. Là, c'est surtout là, moi, que je suis irritée. Et voilà, du coup, ça protège du froid. Enfin, du froid, là, maintenant, il fait chaud, mais bon, c'est une différence de température. Donc, je la mettrai dans mon sac à main. Hop, je la mets tout de suite, voilà. Donc, la crème pour les mains, là, c'est 50 ml. Normalement, je pense que j'ai tout. Oui, donc c'est la 50 ml, là, c'est la bonne dose. Elle coûte 5,60 €. Après, j'ai une crème purifiante du docteur Oskak. Oula. Alors, c'est vente exceptionnelle au mois de février sur beachbox.fr. On peut l'acheter aussi sur beachbox.fr. Donc, les 50 ml, c'est 14,60 €. Là, j'en ai 10. Donc, c'est une crème purifiante, une jolie peau, c'est la base de tout. Et ça commence par une hygiène irréprochable avec un nettoyage quotidien. Cette crème nettoie en douceur tout en purifiant en profondeur. Matin et ou soir, pensez à faire suivre de votre soin habituel pour plus de confort. Voilà, donc c'est ça. Bah, j'essaierai. Là, je suis maquillée et tout, donc je suis prête pour partir au travail. D'ailleurs, je vais peut-être être un petit peu en retard. Et le dernier, c'est pochon. En plus, et en plus, ce mois-ci, Princesse Tam Tam, pochon lingerie. En tissu tout doux, ce pochon imagine en exclusivité pour Birchbox. C'est idéal pour ranger vos dessous préférés. Bon, bah, il y a juste la pochette, hein. Il n'y a pas de dessous, mais... Hop, c'est la pochette, Princesse Tam Tam. C'est mignon. Alors, rebonjour. Je fais une suite de ma vidéo parce qu'elle s'est coupée un petit peu pressée. Parce que du coup, je voyais pas l'heure passer et que j'allais aller au boulot. Voilà. Donc, c'était pour vous dire au revoir. Mais juste avant, je vais vous montrer ce que j'ai acheté hier. Donc, j'ai découvert ça hier. Je suis allée à la Bergerie Nationale de Rambouillet. J'ai découvert la Bose Cola. Donc c'est marqué Bose Cola, le cola de votre région. Peu sucré. Et donc moi je trouve que ça ressemble au Coca-Cola Zéro. Donc je trouve ça très très bon. Et la bouteille elle coûte 1,75 € pour 33 centilitres. Donc c'est vraiment pas cher. C'est fait par la Bose de nos régions. Donc voilà, et sinon j'ai passé une excellente journée hier à la Bergerie Nationale de Rambouillet. Si vous voulez, je vais peut-être créer une chaîne sur YouTube, mais qu'en rapport avec les animaux, sachant que j'adore les chats. Je pourrais vous montrer des vidéos de chats, enfin, les chats s'ils font des cascades et tout, j'essaierai de les filmer au maximum. Après du coup j'ai fait une super vidéo avec les moutons de Rambouillet. Donc c'est super marrant parce qu'ils bêlent et franchement c'était rigolo, c'était amusant et tout, donc j'aimerais vous faire partager ça. Voilà, bon je vous fais de gros bisous et à bientôt. Au revoir.